www.parihlacaille.com. Download l'application sous version Android. Jouez football, basketball, tennis, football américain, football virtuel, volleyball, course chien, course cheval, casino ak an pilote encore. Ak 10 goud, ou ka fè 1 million goud sou application. Pa bliye, ak yon pari multiple, dès pou pèdi yon match, ou ap gen chance pou fè kòb ou te jwè et même plis encore. Ou ka recharge nan n'importe bureau Parihl la caille ou bien sou mon cash. Dès pou gen, ou ka touche sou mon cash sans problème. Pour toute information, rendez-nous dans 2998 44 44. Nous disponibles 7 jours sur 7. Profitez jouer dans Parihl la caille pour ka jouer facile, toucher rapide. Bonsoir tout le monde, mon pam c'est Getchin Pierre, moi très content ensemble avec vous, nous pral partager en pile information sportive. C'est Michon Panouan qui rentre la caille nous, remise en jeu. Avant que nous rentrions plein feu dans information yo, en nous profiter souhaiter chaque grain fanatique, chaque grain fidèle téléspectateur, téléspectatrice de la radio Télé Éclair, un joyeux Noël et déjà une bonne année 2024. Tout commanditaire nous yo qui était fidèle ensemble avec nous malgré situation difficile, mais yo continue croire en nous, yo continue faire nous confiance et ça à tout nous croire la donne et nous dire merci pour fidélité ensemble avec nous. Donc nous connaît situation vraiment difficile en Haïti moment ça, nous connaît lorsque c'est fête de fin d'année, son moment de partage en pile l'amour. Nous très content par le fait que nous là nous continuer à goumer n'a bataille pour nous qui gens que nous capable avancer. Déjà, Nabdil encore, nous souhaitons tout le monde un joyeux Noël 2023, une bonne et heureuse année 2024. Nous connaissons déjà émission ça, c'est remise en jeu qui rentre la caille nous, li possible grâce avec Parihl la caille. Parihl la caille, c'est pi gros pari sportif là, l'on joue dans Parihl la caille, nous toujours dit ça, c'est côté ou a fait comme là. Pi rapide, c'est ça que fait Parihl la caille dit, jouer facile, toucher rapide et Parihl la caille offre ou pari sportif qui donc ou capable faire retrait dépôt ak mon cash, nat cash ainsi que n'importe cabine Soji Express, n'importe bureau Soji Express rentrer là-dedans à le toucher. Et puis pendant mois de décembre, Parihl la caille a offri nous yon paquet bonus, c'est jouer pour nous jouer pour nous capable gagner bonus sa yo. Ou vle jouer sans pas déplacer, monter sous site là, faire fichou www.parihlacaille.com. Information yo, et d'abord nous connaît coupe Parihl la caille du côté de Parc Sainte-Thérèse, yon très bel championnat que Parihl la caille a organisé, mais championnat ça qui rivé dans phase finale li, dans phase côté que yon équipe ou pas qu'à continuer gagner ou à obligé rete en route puisque nous connaissons ton super 8 et dans moment que nous a parlé à là faut que nous dit équipe Jérémien déjà connaît qui adversaire que le pral joindre en demi-finale. Eh bien demi-finale compétition ça c'est pral premier demi-finale là et c'est pral Jérémy Jacquet. On nous dit équipe Jacquet a qui fait match nul capable dit non sens avec équipe Delma 32 a dans quart de finale là. Équipe Delma 32 a c'est lui même qui était l'ouvri score sous équipe Jacquet a, mais Jacquet est égalisé dans séance des tirs au but. C'est équipe Jacquet a qui guérison, qui donc Jacquet qui qualifié pour demi-finale compétition ça, que Jacquet a bien pour jouer face à la formation Jérémy. Et puis l'autre quart de finale là, m'te dit déjà, c'est équipe la pleine qui a bien pour jouer face à la formation Jalousie. C'est équipe Delma 60 nan captain, youn nan équipe Sayo. Nous dit, nous dit, Parihl la caille, c'est seul côté. Pas gen gratte tête, l'offin fait fichou ou gagner, c'est bien rapide ou ap toucher, c'est ça que fait dit Parihl la caille, c'est jouer facile, toucher rapide. Nous pral parler de yon gros dossier là qui c'est Super League. Super League, Barcelone, Real Madrid, quel est apantanyo pour yo algoumé avec instance suprême football là qui c'est la FIFA. D'abord, gagné une décision qui sorti, décision ça c'est Cour justice Union européenne qui fait sortir décision ça puisque gon conflit qui ouvert entre FIFA et UEFA. Donc on est UEFA c'est instance qui a géré football là en Europe et FIFA c'est instance suprême et football là. Donc décision qui fait Florentino Pérez
et on la porta de monsieur Sao souri avec décision puisque décision li fait connait il fait comprendre que gain possibilité pour gagner une Super League. Est-ce que c'est une très bonne décision pour football là? Selon moi-même, moi penser football européen pral prend en pile frappe. Le pourquoi? Super League là, c'est une compétition et pour toute équipe. Et pour toute équipe dans Super League là, ou pral joindre des équipes fortes ou pral joindre des équipes faibles. Raison. En Super League qui pral fait à 64 équipes. 64 équipes là, il y a reparti li en 3 divisions. Reparti équipe ça en 3 divisions, a gagné équipe cap descend qui donc des équipes cap relégué et a gagné des équipes cap prend promotion. C'est pratiquement 14 matchs par saison en dans projet ça, projet de Super League. Des projets ça a gagné plusieurs monde qui derrière, c'est le cas de Florentino Pérez et Juan Laporta qui c'est président Barcelone. Est-ce que président Real là avec président Barcelone voulait détruire UEFA? À mon avis, je pense oui. Par rapport avec sa ka privé. Là on prend par exemple Real Madrid qui parlait et surtout Florentino Pérez qui fait comprendre Super League là c'est seul moyen capable dire c'est seul moyen pour l'Europe ou encore club yo capable rester en vie, capable rester compétitif. Mais gagner la Ligue des Champions, c'est la plus lucrative des compétitions, je pense qui rend club yo rester en vie. Moi même là, moi pas d'accord avec Florentino Pérez. Mais remarque que me fait par exemple, là m'apprend Bern Richard qui yon un monde qui très fort et c'est directeur général projet ça même ça dans les Super League là. Gen un monde qui t'a fait croire que l'Arabie Saoudite derrière tout ça qu'a fait yo. Monsieur qui fait qu'on est non, l'Arabie Saoudite pas derrière ça qu'a fait yo, c'est parce que yo voulait football européen vienne beaucoup plus compétitif. Lorsqu'on dit l'Arabie Saoudite, nous connaissons l'Arabie Saoudite a injecté un paquet de cob dans le football mondial. Monsieur qui fait qu'on est que les checker des investisseurs étrangers dans l'autre pays, par exemple, les dire checker américain, les checker l'autre nation, au moins pour le si on est capable d'investir. Monsieur qui fait qu'on est le checker une pigo banque qui gagne dans le monde là. Et Aviel Tebas lui-même, qui a géré Liga, Aviel Tebas, dit jusqu'à présent pas aucune décision ni à court terme ni à moyen terme. Moi même moi trouvé un dilemme parce que gen pile club qui rejeté proposition que Super League l'en fait qui donc yo pas d'accord rentrer dans logique à jouer Super League. Moi même moi pensé ça li pral poser un pile problème ou pral joindre une Super League qui pral organiser avec des clubs qui très faibles. Très très faible et ouais pour en majeure partie c'est presque club qui faible qui besoin compétition ça li organiser parce que conseil de gros club qui pas d'accord rentrer dans logique là bien que Barcelone et Real Madrid c'est une nan côté yo union parce que yo sous route pour yo chaque ta capable bénéficier pratiquement ou encore presque 1 milliard de dollars dans le cas où projet ça li exécuté. C'est des informations que nous avons suivies de très près. Est-ce que, je me suis posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est un bon coup de pralier pour le football européen ou encore le football mondial là? À mon avis, je pense non. Et puis, selon UEFA, il y a des règles qui sont disponibles. L'équipe Girona qui a fait fort, il y a une équipe en pile qui a suivi de très près, pour le moment qui est deuxième. Dans la Liga, selon UEFA, équipe Girona, dans le cas où il a qualifié pour la Ligue des Champions saison prochaine, il n'est pas capable de jouer la Ligue des Champions. Le pourquoi? C'est parce que c'est même dirigeant qui a géré l'équipe Girona et Manchester City. Qui donc, règlement au deal, dans le cas où deux clubs qui ont même dirigeant ou pas capable de jouer Ligue des Champions ou capable de jouer une autre compétition. Équipe ça qui a dirigé par
Mitchell, son très bon coach que nous avons suivi de très près. L'équipe ça a gagné des joueurs qui valent la donne. Toujours dit fanatique brésilien, ça faut au moins tu apprends le temps, le soin pour suivre. Si petit que Yann Koutoua, parce que Brésil gon pénurie comme arrière latéral, bien que nous connaissons, c'est l'équipe Real Madrid qui gagne tête classement championnat, mais c'est avec même nombre de points avec l'équipe Girona, mais c'est pour un plus bon goal différence que l'équipe Real de Madrid a gagné tête classement. Et puis, et Coupe du Monde des clubs. Manchester City, dans le moment, c'est club qui a la mode là, c'est le plus gros club là. Fanatique Real Madrid, je connais une balle fâchée. Son vérité, il faut que nous d'accord. Manchester City sur le toit du monde, Manchester City sur le toit du football européen, faut nous d'accord ça. Manchester City gagne un paquet de joueurs qui de classe mondiale. C'est gros équipe là. Là par exemple, on prend Rodri à l'heure actuelle, c'est plus gros milieu de terrain qui existe là. Le noir prend, c'est vrai, John Stones avec Ruben Dias et l'année dernière, il était plus bon. Année ça, nous senti son lot John Stones et Ruben Dias tout, c'était blessure. Donc nous même chez retourner plus en forme, eh bien Julian Alvarez lui-même définitivement c'est l'homme Coupe du monde. Julian Alvarez qui double buteur et passeur, faut que moi dis nous équipe Manchester City qui crasé équipe brésilienne là Fluminense, équipe Fluminense ça, et qui gagne Gangso la Dani, qui gagne Felipe Melo qui était en Europe, et puis nous connaissons ça, superstar équipe ça, vedette équipe ça qui c'est Marcelo Vieira Junior, et bien c'est 4-0 que vous prend dans main équipe Manchester City. Donc City était beaucoup trop forte pour la formation Fluminense qui sortit au Brésil, et bien Pep Guardiola qui c'est l'homme de la situation, l'homme moment, parce que Pep Guardiola permet à ce que l'équipe Manchester City sur le toit du monde, l'on capable de remporter la Ligue des Champions, ou prend Premier League là, ou prend Coupe d'Angleterre, ou prend Coupe du Monde des clubs, ou prend Super Coupe d'Europe. Donc c'est à féliciter pour Pep Guardiola. Moi-même toujours à petite tête, moi ça, et moi-même, moi m'été. Pep Guardiola dans la ligne qui gagne Rinus Mitchell, dans la ligne qui gagne Johan Cruyff à un certain moment. Nous connaissons ça. Et c'est vrai, Guardiola fait disciple, même disciple, conseiller de coach actuellement là. Et c'est Pep Guardiola, typiquement dans le football, dans pile bagaille que le poté dans le jouet là, son coach qui pote en pile contribution dans le jouet là. Donc c'est bon. Et la coacher, la diriger yon équipe ou senti que li monte équipe ça à l'image de lui-même, c'est même senti, c'est ça lié. Équipe ça qui gon identité, la formation citizen. Donc moi-même, je dis ça tout à l'heure, il y a des joueurs dans l'équipe ça qui montré par A plus B, c'est meilleur là à l'heure actuelle. On apprend, on est en cours Audrey comme milieu de terrain, ou Lian Alvarez qui crasé match ça. Donc mine de rien, et définitivement c'est année Julian Alvarez, puisque il pratiquement prend toute compétition qui était disponible sur Ania, et l'aime dit Ania saison 1 et en majeure partie. L'année dernière monsieur était prend Coupe du monde là, et monsieur prend des trophées qui vraiment important avec sélection Argentine, et il prend Coupe du monde, mais il prend Coupe du monde des clubs, il prend Super Coupe d'Europe. Donc joueur 21 ans ça, et c'est des joueurs pour nous commencer à suivre, parce que Messi parle encore, l'aime dit parle encore son façon de parler, puisque Messi pas en Europe, nous connaissons aux États-Unis la jeune Inter de Miami, et ben ces jeunes ça par exemple compétition nous connaissons déjà commencé avec Jude Bellingham, avec et Julian Alvarez, avec Vinicius, avec Pedri, c'est vrai Gavi blessé, tant d'autres jeunes encore et qui a monté en puissance, Erling Haaland, le cyborg norvégien, c'est non ça on va commencer à tendre beaucoup plus. Eh bien Pep Guardiola lui-même qui prend compétition ça avec Football Club Barcelone, Coupe du monde des clubs là, il prend avec équipe Bayern Munich là, et il prend avec équipe Manchester City là. Eh bien Pep Guardiola qui plie toute bagaille ça et puis le mettait en babral, il dit c'est moi qui met là, c'est moi qui a dominé football mondial là avec une équipe, et il y a 6 7 ans ou encore 7 8 ans de cela qui pas une équipe compétitive, me vient me prendre équipe ça, me mettre sur le toit du monde.
C'est ça, c'est là que nous camper avec rubrique sportive là, nous ab di ou. Merci parce que vous êtes présent ensemble avec nous, vous t'app suivre émission ça, quittez commentaire pour nous. Pas hésiter et partager ou encore like émission, ça fait nous plaisir. Mais avant d'aller, n'ab di ou pariage la caille, c'est lui-même qui permet à ce que émission ça rentre la caille ou convenablement l'a joué dans pariage la caille, vous comprendre, c'est Paris Sportif qui bon en pile avantage et surtout pendant mois de décembre là gagné gros bonus qui disponible, c'est monter sur site là, faire fichou ou du moins à l'inscrit sur site là, wap ouais qui gens wap fait l'argent très facile. Pariage la caille, c'est jouer facile, toucher rapide. Nous allons à la prochaine.